Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une balade en famille. Nous partons direction Gourdon. On prendra plusieurs routes sinueuses. On passera par Bagnoles en Forêt, avec une petite pause, petit déjeuner et surtout un grand pipi. On continuera sur la D56 jusqu'à Callion. Ensuite, la D96, puis la D105, route de Sianne, puis la D5, route de Saint-Vallier, la D12, direction Cossol, pour enfin arriver à Gourdon. Ça fait quand même pas mal le moto. Et puis le spot, super sympa quand même. Pour un petit déj, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Après cette petite pause petit déj, qui était bien méritée, on reprend la route. On garde bien nos distances de sécurité car les routes sont très étroites. Et avec le track, pas forcément très simple. Mais franchement, pour voir l'âge qu'ils ont, moi je les félicite. C'est quand même les deux plus anciens qui ont les deux motos les plus lourdes et les plus impressionnantes. Bravo les parents! Le papa de Babas conduit une Harley Davidson Electra qui pèse quand même 400 kg tout plein fait, t'imagines? En plus, vous vous rendez compte, il a fait le 999 avec cette moto. Et il y a de ça pas si longtemps. Et sa maman, un Track Boom. Mais un ancien modèle, pas d'électronique. Pour passer les vitesses, c'est en bas à gauche, avec un levier. Et on peut pas faire dans la dentelle. Après plusieurs motos sportives, Rudy décide de prendre la TRK500, qui apparemment lui va bien et lui convient bien, car elle fait un petit peu de chemin et ça lui plaît bien. Katia roule en Honda CB500, un super roadster, idéal pour ses routes. Et ma petite titine qui m'accompagne partout, la Honda CBR500R. Bon, celle-là, j'ai plus envie de te la présenter. Ça y est, c'est bon. Maintenant, tu la connais, hein. Une fois avoir passé Bagnoles en Forêt, Saint-Paul en Forêt, on continue vers Callion. Toujours avec des routes magnifiques et une vue splendide. Du moins, entre les arbres et quand on arrive à les voir. On a tous des motos différentes. Tous des façons de rouler différentes. Mais pour autant, pendant cette journée, tout le monde est en accord parfait. La vue, le paysage et profiter un maximum.
Merci aussi à ma fille qui nous a bien aidés, car elle a fait toutes les vidéos derrière son père. Franchement, impeccable cette petite. Direction Saint-Vallier, puis Cossol, pour finir à Gourdon. Vous allez voir, pas mal de petits virages, super sympa, et on va prendre de la hauteur. Si tu décides un jour de faire cette route, tu verras, c'est magique. Il y a des paysages à couper le souffle. On passe dans les bois, on passe sur des ponts, on voit des fleuves, on voit des rivières, des montagnes. Enfin, je crois qu'en une journée, tu as fait quasi le tour du monde. Si tu aimes cette petite vidéo, n'oublie pas, like et surtout abonne-toi. Petite nouveauté, on est aussi sur TikTok maintenant, tu verras toutes nos bêtises. Si tu regardes bien au loin, mais regarde bien, tu vois tout au bout le village là-bas? Eh ben c'est là Gourdon, notre prochain arrêt pour pique-niquer. Gourdon est une petite commune située dans le nord-ouest du département du Lot, en région Occitanie. La cité chef-lieu de la commune de Gourdon est construite sur une remarquable colline acropole qui domine le pays environnant, la Bouriane, à plus de 20 km à la ronde. Une vue extraordinaire et les parapentes se font bien plaisir. Quand tu arrives dans cette petite commune, tout de suite tu as des odeurs merveilleuses. Un pain d'épices qui sent depuis ton arrivée et qui te donne faim. Forcément, tu t'y arrêtes et tu en achètes. Pour info, les personnes qui sont au régime, ça sert à rien d'y aller parce que vous n'allez pas résister. De toute façon, un motard, ça peut pas être au régime s'il veut tenir correctement sa meule. Et les eaux parfumées, incroyable. Ça sent trop bon. Il y en a pour tous les goûts. De la lavande à la vanille, vous en aurez pour tout le monde. Et là, pour le coup, je crois que c'est des équipements moto qui vont être contents. Depuis le temps qu'on voulait montrer ce petit village à la famille, je pense qu'ils ont été contents. Thank you.
Alors, elle est pas belle cette petite famille de motards? Et encore, il n'y avait pas tout le monde. Il était temps pour nous de reprendre la route. Mais avant tout, je voulais qu'on s'arrête au Saut du Loup. Car difficile de descendre de Gourdon et de ne pas aller visiter ça, ça serait vraiment dommage. Il y a un petit bar en plus, de quoi s'hydrater. Un papé. Le Saut du Loup et ses sublimes cascades. Juste à la portée de main. Une vision magnifique. De quoi bien rigoler et faire la fête avec les filles. Mais oui, Babas, toi aussi t'as le droit de faire le fou avec nous. Encore une belle journée de fête. Et, comme quoi, à proximité de chez toi, n'oublie pas, il y a toujours des choses magnifiques à voir. Donc, prends ta meule, cherche un peu, et roule. J'espère que cette petite vidéo t'aura bien plu. Et que tu auras bien plu. Laisse-nous un petit commentaire, et on se dit à très vite. Ciao ciao! Oh.